Dans les cuillères noires, le tofu de brocoli, caviar d'algues et coque. Au centre, les coussins à l'encre de sèche. À l'intérieur, il y a sel de chèvre et sur le dessus, un gel aux agrumes. Et pour terminer, dans l'autre, les tartelettes ou mousse de sésame noir. Donc, bien dégusté dans cet ordre aussi, messieurs dames. Très bon appétit à vous. Vous souhaitez le boire dans des flûtes ou dans des verres de vin? Enfin, on a verre là, les verres noirs. Chez François. Chez François. Ici, madame, monsieur, en mise en bouche, vous allez retrouver le chou rouge fermenté. Avec par-dessus, espuma de chou-fleur et gel de chou rouge. Sur le côté, vous retrouverez le taboulé, chou-fleur et chou romanesco. Et juste ici, je vous ajoute la sauce crémée à la bisque de langoustine perlée à l'huile de livèche. Donc la livèche qui est une petite plante au goût anisé. Les essences de bois seulement de la région. Donc ici, vous avez le bois précieux des fondations du pont de Chinon qui a plus de 300 ans. Ici, le noyer en référence à l'arbre qui est juste là. La douelle pour les barriques des tonneaux de vin, pardon. L'if pour les châteaux de la Loire. Le chêne vert en référence au chêne truffier et le buis pour les forêts de Loche. Lequel vous choisissez, madame? Je prends le château de la Loire. Allez. Merci. Pain blanc, pain au noir ou pain aux céréales? Pain blanc pour commencer. Pain blanc. Ah non, moi j'aime bien céréales. Merci. Merci. Alors ici, vous allez retrouver l'asperge blanche du Richelet. Dans le fond, vous avez la royale d'asperge blanche avec à l'intérieur poêlée d'asperges au beurre noisette et pinot des Charentes. Vous retrouverez sur le dessus les asperges blanches grillées. Vous avez également des croutons de pain, le lard et le citron confit. Ici, je viens vous ajouter la sauce crémeuse au pinot des Charentes. Belle dégustation à vous. C'est bien qu'elle ait jamais fait du bois comme ça. Oh, c'est pas qu'il y a pas. Il y a un gros poisson. Ensuite, donc, le travail de la carotte, effectivement, au centre Carotte Nouvelle, qui a mariné pendant 10 jours dans le miso, qui est donc une pâte de soja fermentée, puis cuite au barbecue japonais. Sur la gauche, vous trouverez la purée de carottes et gingembre. En haut à droite, un sabayon aux fans de carottes. Et enfin plus bas, la pulpe de carottes à la verveine et menthe poivrée, ainsi que le caviar de carottes et gingembre. Et je vous ajoute enfin le jus de carottes, cumin et verjus. Je vous en prie. Alors ici, vous allez retrouver le merlan de ligne des côtes bretonnes. Il a été cuit basse température dans une huile de pistache. Vous allez retrouver ici les mayonnaises à l'agastache. L'agastache qui est une petite plante au goût anisé. En dessous ici, vous avez le velours d'asperge verte et agastache. L'asperge verte blanchie. Et juste ici, la pistache à la façon d'un gomasio. On vous laissera ensuite goûter le sabayon à l'oursin et le verser à votre guise sur le plat. Belle dégustation. Le veau de lait du Limousin. Dans votre assiette, vous allez pouvoir le retrouver travaillé en deux façons. Premièrement, le carré de veau, juste ici, qui sera rôti. Par la suite, vous allez pouvoir retrouver un cannelloni avec un quasi de veau travaillé en tartare et pesto à l'ail des ours. L'huile verte que vous pouvez apercevoir dans le fond de votre assiette est une huile à l'ail des ours également. Vous allez également pouvoir retrouver une purée d'oignon rôti, navet glacé et ensuite passé à la torche et petites graines de moutarde pickle. Pour terminer, je vais venir verser un jus de veau. Qu'est-ce que c'est que ça? Le saint revisité par le chef comme un souvenir d'enfance. Tout en dessous, vous avez donc la tranche de Sainte-Maure en demi-sec avec huile d'olive, miel, sel, poivre. Ensuite, le chèvre frais de Sainte-Maure de Touraine en espuma.
Au-dessous, la tuile croustillante de pommes de terre. Et encore au-dessus, les fleurs et plantes comestibles avec la salade. Avec le râpé de chèvre Sainte-Maure dessus. Belle dégustation. Merci. Donc, vous avez le dessert autour de la bière et du chocolat. Donc, juste devant vous, vous avez un crémeux à la bière et au centre, un caramel à la bière. Sur le côté, vous avez les gavottes au chocolat. À l'intérieur, vous retrouverez une mousse de chocolat fumé et sur le dessus, les copeaux de chocolat. Et encore à gauche, vous avez une chantilly de mascarpone, écume à la bière et gel à la bière. Et je vous ajoute une sauce chocolat et bière. Et par-dessus, je vous rappelle de la fève de cacao. La micro-plane n'est pas affûtée. Si, mais en fait, c'est les pointes, elles sont dures à... Vous commencez à râper. Après, c'est bon. En attendant, vous avez ici un bouillon de sobacha. C'est une infusion de sarrasin. C'est la méthode japonaise qui veut ce nom. Devant vous, sur le granola, vous retrouverez le crémeux miso, poire et sobacha, accompagné de billes de poire, tartare de poireau, cerfeuil et mayonnaise de miso. Et je vous ajoute le caramel de sobacha. Donc toujours infusion de sarrasin. Et donc du coup pour terminer, ici vous avez les pâtes de fruits poire, pomme et géranium rosa avec des madeleines thym, romarin, citron vert. Et ici vous retrouverez deux guimauves à la chartreuse. À manger en dernier, ça fait un effet digestif en bouche. Je vous en prie.